Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai changé de place puisque le chat a pris la place. Hein. Oh, pour ça qu'il va pas revenir, mais bon voilà. Deuxième tirage du jour, tirage lié à l'amour, hein, parce qu'en ce moment c'est le printemps, ça y est, tout le monde ressort, patati patata. Donc on y va. Hop. Donc voici le livre. Dedans vous avez la photo de la carte et la définition. Ce magnifique jeu de cartes, voyez à l'envers, voyez sa tranche et voyez l'intérieur. Donc voilà, hein, je rappelle que je fais un tirage tous les jours, je prends deux jeux différents et puis voilà. Voilà. Donc, je rappelle également que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous suffit de vous poser une question, choisir l'une des trois cartes, je lis la signification de cette carte. Et j'espère que ça répondra à votre question. On y va. Tchac. Allez. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Check, check. Vous avez fait votre choix. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Carte numéro 1. Couple, duo, union. Vous avez vu comment elle est trop belle? 15. Alors, on y va. Les unions seront à l'honneur. Les couples se forment enfin par amour. Les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction. Certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice, sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Oh, c'est trop mignon, mignon. Carte numéro 2. Pardon, libération, réconciliation. Nous a fait rire cette carte. Alors, 41. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que de sourire que les souvenirs. Oh, je recommence. Rien de tel que les que. Je recommence. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux non plus que les sourires retrouvés. Le conseil ici. Et de te montrer la voie du pardon, la grandeur, la force et sa lumière qui s'en dégage. Ne perds plus de temps à attendre que l'autre, de l'autre son pardon, pardonne-lui avant même qu'il ne se fasse. Ta sagesse te libérera instantanément de toutes les froissures. Aime avec ton cœur avant de punir, meurtri ou vengeur avec ton orgueil. Voilà, faut pardonner. Carte numéro 3, sourire, joie, bonheur. Alors, carte positive par excellence. Elle annule tous les mauvais côtés d'un tirage. Quoi qu'il arrive, tout finira bien. Grand vénard de la vie, c'est maintenant
que tout te sourit. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Elle t'annonce une grande joie, de grands bonheurs et beaucoup de lumière pour ton cœur intérieur. Rien ne pourra noircir cette réussite, car ton destin est enfin entre tes mains. Même si la route a été longue, maintenant elle est fluide, vaste et prometteuse. Prends du plaisir à parcourir étape par étape ce quasi parfait nouveau parcours amoureux en appréciant chacune d'elles à sa juste beauté. Voilà pour la carte numéro 3. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut, salut.